Alors, il paraît que tu squattes chez ta tante. Le canapé, tu kiffes? Ouais, j'ai ma meuf et ma gosse avec moi, je te dis pas la galère. Mais on peut pas tous faire comme toi, ça c'est sûr. Sérieux, je fais quoi? Dre, change de disque. Il sort d'où ce fric? Pourquoi tu m'agresses comme ça, cousin? Va falloir que ça change ici. Où tu vas comme ça? J'essaie de rentrer chez moi, c'est tout. C'est mon fils, laissez-le tranquille. Vous rentrez chez vous maintenant ou je vais vous pourrir la vie. Personne parle à ma mère comme ça. Si t'avais les moyens de changer les choses, tu le ferais. Easy, faut que tu bétonnes ça avec ton cruising down the street. Ok. Cruising down the street in my 6-4. Hey, c'était du lourd, man. Vous écoutez les enfants terribles de Compton, Ice Cube, Eazy-E et Dr. Dre. Écoutez bien parce que ce son fera date. Les gars, vous faites peur. Votre voix est unique. Le monde doit l'entendre. Ils veulent du NWA? On va leur donner du NWA. Mais que le sommet de l'iceberg, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Tu transportes quoi dans ça? Tu déconnes ou quoi? Tu prends pas ça dans le bus? Ces chansons font l'apologie des gangs et de la drogue. Notre art est le reflet de notre réalité. Vous seriez pas trompé de rue? Ce sont des artistes. Le rap, c'est pas un art. De quel droit vous débarquez ici et agressez mes clients parce que leurs têtes ne vous reviennent pas? Je te promets que les choses vont changer à partir de maintenant. Je dois être honnête avec vous, j'y connais absolument rien au hip-hop, mais je sais que vous sortez du lot. Tu veux vivre comme un gangster, c'est ça? T'es servi. Dès que tu parles franchement, les gens pètent un câble. Ce n'est pas le Crips and Bloods, il s'agit d'une menace du gouvernement. Ils essaient de censurer notre musique. C'est NWA. Yo, Dre, y'a quoi? Faut que je passe un message. Si on continue, on va conquérir le monde.